Voici l'estuaire de la Musquash, l'un des trésors protégés du Canada. Les estuaires comptent parmi les écosystèmes les plus productifs au monde. Diversifiée et intacte, cette voie navigable est essentielle à la santé de la baie de Fundy. Elle abrite une diversité de végétaux, ainsi que des communautés florissantes de poissons, d'oiseaux et d'autres espèces sauvages. L'estuaire de la Musquash est une zone de protection marine située à seulement quelques minutes au sud-ouest de la ville de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. L'estuaire de la Musquash est un écosystème aux eaux de marée peu profondes qui se fraye un chemin jusqu'à la baie de Fundy et l'océan Atlantique. Parmi les estuaires de la baie de Fundy, l'estuaire de la Musquash est unique par sa dimension, ses vastes marais salées et son état naturel. Dans l'estuaire, l'eau douce se mélange à l'eau salée, créant ainsi des conditions fertiles pour la faune et la flore. De l'estuaire jusqu'à la baie de Fundy, les berges se transforment dramatiquement. Dans les tronçons supérieurs se trouvent de basses prairies appelées marais salés. Ils filtrent les sédiments et la pollution, en plus de protéger les berges contre l'érosion. Dans les eaux peu profondes, à l'intérieur de l'estuaire, se trouvent de vastes estrans qui abritent une grande diversité d'oiseaux rares, de plantes et d'espèces de poissons. À la limite entre l'estuaire de la Musquash et la baie de Fundy, se trouve une large échancrure de côte entre deux promontoires rocheux et de nombreuses plages de galets. Ici, les rivages rocheux et les peuplements de plantes marines protègent les poissons contre la puissance des vagues, tout en offrant une abondance de nourriture. Le passage des saisons transforme l'estuaire de la Musquash et révèle sa beauté et ses richesses. Il y a plus de 20 ans, bon nombre des marais salés de la région de la baie de Fundy ont été altérés ou détruits par l'activité humaine. Il est alors devenu clair que l'estuaire de la Musquash devait être protégé. En tant que plus grand estuaire écologiquement intact de la baie de Fundy, et étant l'un des rares à ne pas avoir été profondément perturbé par les activités humaines, il soutient de nombreuses espèces marines et des habitats importants. Des organismes de conservation, une association de pêcheurs locale, les gouvernements provincial et fédéral, ainsi que la communauté locale, ont travaillé ensemble pour assurer sa protection. En 2006, l'estuaire de la Musquash a été désigné la 6e zone de protection marine de la Loi sur les océans du Canada. Aujourd'hui, des initiatives et des partenariats gouvernementaux et communautaires font en sorte que l'estuaire de la Musquash est entre bonnes mains. Pêche et Océan Canada gèrent la zone de protection marine, y compris une partie de ses terres intertidales, tandis que la plupart des terres environnantes sont protégées et gérées par des organismes de conservation et par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Pêche et Océan Canada jouent un rôle important dans la surveillance de la santé de la zone de protection marine de l'estuaire de la Musquash, grâce à l'échantillonnage de l'eau, au relevé des poissons et à la cartographie de l'habitat. Les études scientifiques examinent divers sujets, tels la diversité des poissons juvéniles et la résilience des organismes et habitats locaux. L'estuaire de la Musquash est ouvert au public pour le kayak, la navigation de plaisance, le canotage et la randonnée.
Les randonneurs profitent d'un vaste réseau de sentiers qu'un organisme de conservation local et ses bénévoles sont fiers d'entretenir. Chaque été, des amateurs se réunissent pour profiter du jour de la pagaie dans l'estuaire de la Musquash, un événement organisé par un organisme de conservation locale. L'estuaire de la Musquash est vraiment l'un des trésors du Canada, un exemple d'une beauté naturelle inaltérée et d'un riche écosystème. Les Canadiens peuvent être fiers de savoir que l'estuaire de la Musquash sera protégé pour les générations à venir en tant que zone de protection marine. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le dfo-mpo.gc.ca.